t'as trouvé des jumelles. Ah, c'est fou. Ils vont être très utiles. Ah, voici ta récompense. Oh, waouh. C'est pas grand-chose, je sais. Mais je peux te montrer un tour, si tu veux. Non ? C'est toi qui vois. Non ? La thune ! C'est pas que je te montre un tour ? Un tour ? Eh ben, très bien. Bah, go, l'histoire. Oh, attends, là. Mélila, elle a un truc. Mélila ? Dans la zone. Je vois un petit trophée qui traîne. Oh ! Ah oui, t'as mis un ploup ploup. Ah oui, faut que j'enlève mon ploup ploup d'ailleurs. Hop. Ploup ploup. Vers le ploup ploup. Le ploup ploup de Mélila. Mélila ploup ploup. L'argent que j'avais pas ramassé. Pareil. Ok, on va ploup ploup sur la quête principale du coup. Ça y est. Quête principale, ça y est, on y est. Ça y est. Les saumures. Est-ce qu'on va retrouver Jade? Elle est où Jade? Jade. Elle est où Jade? Jade. Donc pour se remettre dans le contexte, pour ce que je m'en souviens, on avait un professeur qui avait fait des recherches, qui était en contact avec un autre professeur. Oui. Et il avait commencé à trouver des bons résultats. Sauf qu'ensuite, il s'est fait kidnapper par Rice. Ouais. Il s'est fait buter. Ouais. Ah bon ? Mais il avait les résultats, et... enfin il avait ses résultats, il voulait les transmettre à l'autre professeur, mais l'autre professeur il est loin. Le professeur Jean-Guy. Jean-Guy, lui-même, de son prénom. De la Roche, oui. Du coup, à la base, il était censé nous proposer de nous en occuper, sauf qu'entre-temps, nous-mêmes, on avait été kidnappés, on bossait pour Rice, tout ça, c'était compliqué. Et finalement, ils avaient filé à Jade. Et oui. Et donc, c'était Jade qui était censé se rendre vers l'autre professeur, sachant qu'elle était dans un état émotionnel relativement instable suite à la perte de son frère. Il s'est transformé en zombie, bien sûr. Bien sûr. Et maintenant, nous, on s'en est sorti, pas l'autre professeur, faut qu'on remette la main sur les résultats, faut qu'on remette la main sur Jade. Et Jade. Tout ça, quoi. La base. La base. Parcours Fever. Parcours avec un K. Avec un K. Incroyable. Oui, avec un K. Incroyable parcours avec un K. Oui. Incroyable. Je pensais... Parcours. Waouh. C'est vraiment incroyable ce que tu nous as proposé. En bas. Bon sang, mais c'est où? Bon sang. C'est là. Bashi Bouzouk. Ah oui, et puis on s'est complètement embrouillé avec notre employeur aussi. Hein. Je cherche les sauveurs. Ah oui. Je sais même pas de quoi tu parles. C'est Brandon, ah oui, et c'est la troisième faction, c'est vrai. Retour. Je m'en bats d'où tu viens. Les sauveurs. T'as intérêt à te casser ou je vais commencer à plus être aussi poli. Je sais que tu fais sortir des gens du bidonville. Est-ce qu'il y a une nana qui est passée? Jade? Je crois que tu ferais mieux de dégager. Écoute, c'est moi qui ai charcuté Rice. Et je sais que ces gars me cherchent. J'ai besoin d'un coup de main. Sérieux? C'est toi qui as coupé la main de Rice? Ouais. Et là, je dois passer dans le secteur 0. Tu t'appelles comment? Crane. Eh ben Crane, tu vas être déçu si tu penses que passer dans le secteur 0 te permettra d'échapper à Rice. Bon. Ok. Merci. Super. Tu veux de l'alcool? Il y a un gars qui dit qu'il a tranché la main de Rice. Crane. Ouais, c'est ce qu'il dit. Vraiment? T'es sûr? Sachant que nous, on avait quelqu'un qui disait... enfin, qu'on pense faire partie des sauveurs. Ou d'une autre faction encore, je sais plus. On connaît pas qui nous avait téléphoné. Hein. C'est bon, on va te faire passer. Quand? Maintenant. Et c'est combien? Ce que t'as fait à Rice, ça nous suffit largement. Va dans le tunnel effondré qui menait à la vieille ville. Tu frappes à la porte qui va aux égouts et quelqu'un viendra s'occuper de toi. Entendu, merci. Non, merci à toi. Super, la porte sera frappée. À toi, frère. Merci à toi, non à toi, non à toi. Pour toi, merci, merci. Merci. Coffret. Incroyable, incroyable. C'est le parcours avec un K. Il s'élance, rien ne l'arrête. Aïe. Le sol m'a arrêté. Le sol l'a arrêté dans sa chute. Il a chu, mesdames et messieurs, il a chu. Mais il se relève. Il continue de croire en ses rêves. Un jour, il sera le meilleur dresseur.
Un jour il sera meilleur de ça. Ah, je suis mort. Ah. Au sol. C'est un problème. Oui. J'agris. C'est quoi, c'est une chute qui t'a eu? Oui, c'est une chute. Ouais. Combien de secondes? 12, 10, 11, 10, 10, 9, 10, 8, 7, 10, 10, 1, 4, 3, 10, 10, 10. Oh yes! J'ai vu le 0, j'ai vu le 0. J'ai vu le chiffre 0. Mec, tes points sont safe. L'entité nulle. L'entité dridri, finalement. Celle par laquelle se divise le monde. Oui. Pute, pute. C'est mon cri de guerre. Pute. Les gens le reconnaissent de loin. Il a déjà sauvé des vies en criant ce nom. Pute. Je l'entends, c'est mon héros. Dégagez. Hors de mon chemin, les gueux. Oh putain, il est gros, lui. C'est un gros gueux. Oula. Faut escalader, monsieur. Merci. Tu cours effréné vers la liberté. Comme l'a chanté Renaud. Ouais, c'est effréné. Toujours debout. Toujours debout. Bien sûr. L'homme qui prend la bière, c'est la bière. Qui prend l'homme. Oh non, j'ai encore été pris. Pris un t'as bateau, un petit coup, pour l'eau. Toujours debout, mais ça va changer. Toujours debout, mais au comptoir. Il est jamais trop tard pour boire un coup. On pensait qu'il s'était endormi à jamais, pourtant. Ah, la porte, la fameuse. Salut. Prams. Vers les égouts. Les égouts dégueux. J'ai retrouvé tellement fort. Au début. Ah oui, je m'en souviens. Tu t'en souviens? C'est vrai que cet intérieur est tellement différent de tous les autres. Je me souviens pas exactement, je me souviens que c'était épique. Epic. On va s'en remettre la pression. This is gonna be epic. Rain? C'est vrai qu'il est epic. Enchanté. Je m'appelle Hassan. Super, je vais t'aider à changer de décor. C'est encore génial. Un bout. C'est le même mec. C'est toi qui a fait passer Jade? Qui? Elle est d'ici. Brune, mignonne, dure à cuire. Peut-être. Je sais pas. On demande pas les noms. D'ailleurs, personne ne me demande le mien, c'est pour ça que je me présente. Ça. Merci, mec. T'es epic. Globalement, c'est ça. Il nous a fait passer. Super. Voilà. Oh, mais il est même avec nous. Il vit sa meilleure vie. Suivez votre guide. Votre guide. Bah, dis donc, s'il veut que je le suive, il va falloir marcher plus vite, monsieur. Grave. Compliqué là. Avance! Ah, mais on n'a pas d'armes. On va se battre. On peut pas tu faire peux la... le suivre en. Si tu le suis en crouch, t'avances plus ou moins la même vitesse. Oh, énorme. Puis on peut profiter un petit peu du spectacle. Oh, pardon. Ah oui, c'est pas mal. Cool. Là. Ah, c'est bien là. Vas-y, vas-y, avance, avance, vas-y, profite. Oh oui. Tu nous offres un spectacle assez incroyable. Ah oui. Oh oui, bien sûr. On sait que c'est toi dans ces cas-là.
Oh, regarde, c'est le mec qui son flingue. Oh, qui était une grosse Charles. Merde là. Jean-Charles qui va prendre une baffe. Salut Jean-Charles. Tiens, le monde est petit. Ouais, Daoud, ouais. On doit parler de ta situation. Désolé pour la chasse à la figurine, mais je ne voulais pas que tu me suives. Ces types sont plutôt sérieux au sujet de leur procédure. Ce n'est pas juste pour Salma. Salma et moi, c'est terminé. Tu es hors sujet. Alors quoi? T'as quelque chose en tête? J'ai encore un flingue, tu sais. Moi aussi, j'en ai plein. Nous avons une règle. Chacun s'occupe de ses affaires. Si tu ne suis pas cette règle, tu ne passes pas. J'ai l'impression qu'on va le revoir plus tard, ah, du oui. coup. Oh oui. Hein, Jojo? Désolé, mon petit, mais tu vas perdre ton père. Ok. À partir de maintenant, tu es tout seul. Le chemin est indiqué, on reste en contact par radio. Bonne chance pour la suite. Oh là là, l'aide des mecs. Ça valait le coup de me guider jusqu'ici. Grave. Aussi lentement. C'est pas pour te remplacer par une machine, mais on aurait pu mettre des écriteaux à ta place. Ça fait des heures qu'on attend. C'est pas moi qui décide. Reste là. Il est vrai. C'est pas toi qui décide, ok? Est-ce que quelqu'un ici a coupé la main de ce petit bâtard de Rice, non? Hein, voilà. Moi, oui. Petit bâtard de Rice. Alors, c'est ah, pas dans où. Le sens? Non, dans quel sens, tu crois? Moi, je reste plus loin. Ok. J'ai foi en toi, en fait, hein, tout simplement. T'as les foi? Je suis tout simplement dans un total kiff de me dire que je suis en train de nager avec toi, tout simplement. Oh oui. C'est on nage. Nager sous une grille avec un bon copain, au milieu d'un petit bassin d'eau, là. Une petite surface aquatique pleine de cadavres. On apprécie. C'est un plaisir. On apprécie. C'est un plaisir. C'est dégueulasse. Clairement. Et... Ah, en haut, il y a peut-être un truc, là. Ouais. Attends, c'est une blague, on peut toujours pas utiliser le grappin. Si, si, là où je suis, on peut. Ah, ici, mec. Ah ouais, ça y est. Mec. Oh là là, mais non, mais il nous fait du parcours. Il nous fait du parcours avec un câble. Salut! Fais exprès. Ah, oh, il a balancé le grappin dans ma gueule! From. Je tombe. J'avoue que le grappin, ça pourrait être une arme en vrai. Ah oui. C'est stylé le décor là. Oui. C'est un peu plus vert. Oui. Ah! On essaie de faire le ménage. Il y a peut-être désinfecté par-ci, par-là. Ouais, parce que le ménage, là, il a pas l'air de très très faire. Ouais. Crochetage. Crochetage. Petite musique du stress. Je vais équiper mon shotgun. Ah, ça, c'est ton style, ça. C'est tout toi. Oh, petit tag. Oh. Oh. Ça y est. Ça y est, Robin des Bois. Il y en a plein là-bas. Attends. Il est de retour. J'avoue. Robin des Bois. J'avoue qu'il y a un certain nombre d'adversaires. Oh là, mais c'était une flèche explosive. Oui. Par contre, le calcul des distances, c'est pas encore ça, Robin des Bois. On n'y est pas encore. C'est pas ma faute si ça explose. C'est pas ma faute si ça explose. Je sais pas rien, moi, si la flèche explosive, elle explose. Hein. Oh. C'est joli. Tu les bah voilà, on les a bien niqués. Bravo. Comment ça Grave. Oh là, merde. Il a volé. Extraordinaire. Peut-être venir de ton côté vu que tu fais exploser tous les autres. Non, monsieur. On redescend. Seules les stars du concert sont autorisées sur la scène. On n'a dit pas d'autographe. Ça suffit maintenant. Oh là, Biarché, que vois-tu? Eh bien, sans mes lunettes Ce serait le pire gars. Ah ah, shuriken. Paf, paf. Les petits shuriken. Il en faut juste 10 pour battre un zombie. Pratique. Très sympathique.
Le hérisson. Pas mal. Est-ce qu'il meurt un jour? Tu vas encore exploser ou je peux y aller? Vas-y. Hein. Ah. J'y vais. Je l'ai eu. Ah. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a voulu faire comme toi. Merde. Ah, j'ai ouvert la porte de Fallout, c'est bon. Le bunker. Yes. Bonjour. Y a-t-il des gens qui vivent en autarcie ici? Non. Oh, bon sang. Bien sûr qu'il attendait. Il faisait pas un seul bruit et puis dès que tu passes, je suis un zombie. La base. Ah, y en a quelques-uns qui courent quand même. Hein. Félicitations à eux. Visiblement, 2020, c'est l'année où ils ont arrêté le sport. Félicitations. Ah. Félicitations. Mais dis donc, ce serait quand même pas du loup. Ah, il y a un petit journal de combat. Ah, énorme. Je fais un petit crochetage. Ensuite, je te proposerai une lecture de qualité. Oh oui. Comme tu les aimes. J'aime la qualité. C'est vrai. C'est vrai qu'au début, tu disais non, on lit pas. Et puis après, je faisais, mais c'est une lecture de qualité. Et tu faisais, ah, ok, non. Voilà, ah bon, ok. C'est... Ok. Je pourrais en parler dans les soirées mondaines. Oh là là, cette lecture. Cette lecture. Mes amis. Oyez mon histoire. Oyez. Oyez l'histoire, oyez. Oyez. Très bien, alors. Pas de domino. Pas de domino. Par ici. Entrée 11. Et j'ai vu un truc aujourd'hui. Enlève ce truc explosif qui est devant moi. Merci. Non, je t'écoute. Je sais même pas comment le décrire. Au début, j'ai cru que c'était un gamin. Ça avait la taille d'un gamin, la forme d'un gamin, et j'ai cru l'entendre pleurer. Mais ça ressemblait à un gamin, en gros. Mais ça n'en était pas un, c'était un zombie. Et les pleurs se sont transformés en cris horribles. J'ai filé sans demander mon reste. Je crois que je vais en faire des cauchemars pendant un moment. J'entends encore les cris de cette chose. J'aurais peut-être abandonné la science-fiction et me mettre à écrire des livres d'horreur. Je suis pas sûr que les gens aient très envie de lire des livres d'horreur dans ce contexte. Je sais pas. Bonjour. J'avoue. Du coup, ça c'était juste le petit réconfort quoi au final. Pas de passage par ici. Non. Et ça non. Continue. Ça continue, mais on par va où voir qu'il y a un truc en haut là. Non, on peut pas. Ah par là. C'est là où on vient. Ça compte comme un mur en fait. Peut-être que c'est avant qu'il y avait un chemin. Peut-être. C'est faux, vous voyez. Ah, on peut se monter là. Ah, bonjour. Une porte ? Non ? Il y a un burk-burk. Un burk-burk ? Le fameux. Le ah oui. Bonjour. Il est mort. Simple, allez. Efficace, professionnel. Voilà. Hein, bon, on est pas là pour tortiller du cul. Non, même si on adore faire ça. On adore. Ah par contre j'ai un petit... Ah, si je peux essayer de tuer les ennemis et discreto, ça serait nickel. Faut aller où là? En là haut encore. En haut. Ah le grappin, mais c'est cheaté. Non, mais c'est terrible. Oh, c'est cheaté. On est obligé de l'utiliser là. Non? Non, non, on peut tout faire à la mano. Ah oui, il faut que tu fasses par les tuyaux jaunes là. Bon, enfin, à mon avis, ça tente quand même à ce que tu fasses le grappin, là. Ah, au bout d'un moment... Hein. Je pense que si tu veux te faire un petit délire... Oui, c'est ça. Zéro grappin. Petit délire, j'utilise mon core. Core. En effet. C'est beau. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient hésité jusqu'au bout, je crois, d'un moment pour mettre le grappin. C'est possible. C'est possible qu'il y ait un mec qui soit arrivé et qui ait fait votre parcours là, c'est sympa, mais au bout de 10 minutes, est-ce que je pourrais aller plus vite? C'est ça. Incroyable, je crois qu'à nouveau tu as réussi à ouvrir cette porte. Bam! Ouverture de la porte. Oh, on arrive sous l'eau.